بسم الله وكفى وسلام على عبادي الذين اصطفى. السلام عليكم ورحمة منه وبركاته ورضوان. أما بعد، بقول le problème de la résurrection, en vérité, il n'a jamais été un problème. Mais la majorité des faqalins ont semé le doute à propos de cette résurrection-là. Alors qu'il n'y a aucune cause à ce questionnement-là très douteux. Il n'y a pas. Parce que notre vie, avant elle, il n'y a rien de vie individuelle. Oui, nous sommes ici sur cette terre. Donc, d'où provient notre origine? Dieu seul l'a connu et il l'a répondu à plusieurs reprises à travers le Coran et à travers les autres écritures antérieures, mais dommage, elles ont été défigurées. Donc, si cette vie-là, on n'a pas de doute à propos de cette vie, donc, on ne peut pas poser la question, est-ce qu'on peut être ressuscité? On n'a pas le droit, ce n'est pas logique du tout. Puisque cette vie-là, elle est là, et ça suffit pour que notre vie soit possible. Or, ce n'est pas possible, c'est certain, parce que Dieu l'a voulu. Et à propos de ça, on va voir certains versets du chapitre Marie. Marie, la Sainte Marie. Sainte Marie, que la paix d'Allah soit sur elle. Dieu dit ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أن خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها سليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ينجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا صدق الله العظيم. Voyons comment, c'est-à-dire comment l'homme se permet de poser une telle question. Voyons comment, c'est-à-dire est-ce que si après ma mort, on peut me rendre la vie et derrière ça, c'est-à-dire pour être jugé et être mis dans la gêne. Il connaît ça. Tout ce processus-là, il est clair et net dans leur fort intérieur. Mais dommage. Ils sont aliénés. Satan, le prince du mal, a voulu qu'ils soient ces gens-là, ses serviteurs, à leur dépens, tout en étant ignorants. Mais, dommage, la responsabilité ne tombe pas. Parce que tous ces faqalins, la majorité d'entre eux, qui doutent de la résurrection, savent bien ce qu'ils font. Ça vient ce qu'ils pensent, ce qu'ils imaginent. Donc, ils sont tout à fait